pas vous si vous nous rejoignez à l'instant. On était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites. Un ciel dégagé, des tribunes qui se sont remplies, une magnifique ambiance, une pelouse presque parfaite. Bon, je vous épargne le bulletin météo complet. Je me permettrai juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match et de vous remercier pour votre fidélité. Merci. Quel plaisir d'être de retour ici à Old Trafford. Avec 75 000 places, c'est le plus grand stade d'Angleterre. Le public va pousser son équipe, c'est sûr. En voici une belle affiche entre deux équipes de très gros calibre. Oui, on espère tous se régaler devant ce match. Et puis, comme il n'y a pas d'enjeu, on pourrait peut-être voir entrer des joueurs qu'on a moins l'habitude de voir, qui en profiteront pour se montrer. C'est l'occasion ou jamais, vu la concurrence. Et c'est donc parti. Rashford! Ça passe juste à droite. C'était un tir plus que correct, ça m'a été sans doute un meilleur sort. Il décide d'allonger le jeu. Alderweireld. Il allonge vers l'avant. Dans la profondeur. Il a du champ sur le côté. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Il centre, attention. Le gros dégagement. Son Heung-min. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. C'est joué long, attention. Dans la profondeur, bien vu. Allez, tout seul. Martial. La bonne intervention. Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, il avait du soutien. Oh, il y a danger. Centre dans la boîte. Un peu d'oxygène pour sa défense. Un grand dégagement le plus loin possible. C'est récupéré. Il y a danger. Non, il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. Oh, voici Kane. Aurier. Bien à la profondeur. Kane. Oh, on a failli voir un but magnifique. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Oh, voici Kane. Et il perd l'équilibre. Pogba. Bruno Fernandes. Manchester United. Qui cherche l'ouverture. Martial. Le but exceptionnel. Un but fantastique. Quel frisson pour terminer cette première période. Oh, quel but, quel finish, ça va leur faire du bien, ça. Quel talent, c'est la classe, j'adore. Manchester United, qui a donc ouvert le score. Il mène au score, maintenant il ne faut pas laisser l'adversaire revenir. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, comme moi. Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer des dégâts. C'est la mi-temps où les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. Manchester United qui rejoint les vestiaires avec ce petit but d'avance, et ça fait toute la différence pour le moment. On parle, mais le jeu a déjà repris. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Et pourquoi pas tenter de faire le break rapidement. Lo Celso. Reguilón. Dans la profondeur. Il tentait d'écarter, mais le ballon est perdu. C'était un bon mouvement d'attaquant, mais il n'a pas pu frapper. Lucas. Bien tenté. Bruno Fernandes. Quelle frappe! Bruno
Fernandez adore ce genre de position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. Reguilón. Peut-être une occasion pour son Heung-min. La passe dans la profondeur. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. L'horloge tourne, mais il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai, Grégoire. Il s'impose physiquement dans ce duel. Attention, coup franc dangereux à suivre. Alors, voyons ce qu'il va nous faire sur ce coup franc. Pogba. Oh, quel caviar. Rashford. Oh, ça aurait dû faire 2-0, ça. Il aurait pu donner de l'air à son équipe. Il va être déçu, c'est sûr. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. Dembélé entre en jeu. Il peut faire la différence avec sa qualité de passe. C'est joué long. Reguilón. Avec Lucas Moura. Il allonge. Reguilón. Lucas Moura. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. S'il le trouve, il joue sur sa gauche. Il ne résiste pas au contact. C'est vraiment dommage, il leur manque toujours un petit quelque chose. Il était bien présent. Son Heung-min. Dembélé, bon service dans la profondeur. Une très grande ouverture. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Ils auront douté jusqu'au bout, mais cette victoire 1-0 suffit largement à leur bonheur. Vous savez, c'est jamais facile de tenir aussi longtemps son avance, mais ils ont réussi grâce à leur discipline. Merci, la reine Tulette, vous avez été parfait, comme d'habitude. Salut à vous, à bientôt. Avec grand plaisir, Grégoire.